L'apprentissage de la langue maternelle, une nécessité pour le développement des communautés et de l'économie. À travers une session de 6 semaines, 16 enfants âgés entre 8 et 17 ans ont choisi durant la période des vacances retourner à leur culture à travers l'apprentissage de leur langue maternelle, le Bakoko. À écrire de 0 jusqu'à 20 en Bakoko, à dire les 7 jours de la semaine, à danser les sekele, longoso, le bisima. Une étude qui leur a permis d'apprendre l'exécution de l'hymne national du Cameroun en Bakoko. Outre la langue maternelle, c'est toute la culture Bakoko qui leur a été enseignée. Entre autres, le maniement des instruments de musique traditionnels, le mbaga, minkou et minteng. Ils ont aussi appris à protéger l'environnement à travers la récupération et la valorisation des déchets plastiques. Promouvoir le vivre ensemble au Cameroun, c'est pour ça que nous invitons, si quelqu'un est de Bazou, s'il n'a pas la chance d'aller tous les jours dans son village, qu'il apprenne au moins une culture camerounaise qui peut lui permettre de se sentir camerounais. Parce que la meilleure façon de montrer à son vis-à-vis qu'on l'aime, que vous pouvez vivre ensemble, c'est de faire des efforts, de parler sa langue. Les parents qui ont fait le déplacement de cette restitution des connaissances ont été invités à travailler davantage avec les enfants pour qu'ils ne perdent pas les notions.